Bonjour. Pour moi, médecin du travail, l'évolution des modes d'organisation du travail qui favorise l'intensification du travail, mais aussi l'isolement des salariés, ont un impact de plus en plus important sur leur santé. Leur santé mentale, bien sûr, mais aussi leur santé physique. N'oublions pas que le stress et le travail peuvent causer des infarctus du myocarde, des troubles musculo-squelettiques, mais également, n'oublions pas également l'impact sur la vie personnelle. Et tous les nouveaux modes d'organisation, avec l'invasion des nouvelles technologies, favorisent effectivement le fait que les salariés n'ont plus de liberté individuelle pour pouvoir protéger leur santé. Et je suis marquée, moi, médecin, en entreprise, au niveau individuel et au niveau collectif aussi, par ces pathologies nouvelles actuelles, mais aussi des pathologies qui risquent d'être à effet différé. Et soyons attentifs tous ensemble par rapport à des pathologies qui pourraient arriver par déficit immunitaire. Et n'oublions pas d'être en vigilance par rapport à ces salariés qui expriment des syndromes d'alerte, hein, non pas des syndromes d'épuisement professionnel majeur, mais des syndromes d'alerte mineurs. Et soyons tous en lien, élus du personnel et salariés, pour être en alerte et en vigilance par rapport à la dégradation de la santé en entreprise.